Добър вечер, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми ваши превъзходителства, представители на дипломатическия корпус. Добър вечер, ваше превъзходителство, господин Ерик Любедел, посланник на Франция в България. Добър вечер на всички, които се интересуват от темата за Европа и които са тази нощ, тази вечер с нас тук, във Френския институт. Това е първото събитие от голямата серия, посветена на темата «Нашата Европа», която открива Френският институт в София с една поредица от партньори, в това число Центъра за култура и дебат «Червената къща», Българско национално радио, както и множество други партньори, които можете да видите изписани на плаката. Приятно ми е да кажа, че съм поласкана от честта да водя тези дебати, да водя първото събитие от тази поредица. Казвам се Ирина Недева, журналист съм от Българското национално радио програма Хоризонт. Ирина Недева, je suis journaliste à la Radio Nationale Bulgare. Et permettez-moi de vous présenter nos invités, nos intervenants qui vont donc parler de l'Union. D'abord donner la parole à son Excellence Eric Lebedel, ambassadeur de France en Bulgarie, qui va donc inaugurer cet événement et qui va expliquer ce que représente donc pour l'Institut français, pour l'ambassade de France en Bulgarie, et donc ce grand sujet de l'Europe, l'Europe en tant qu'inspiration, qui, dans ce contexte difficile que nous traversons, nous avons tendance à oublier. Nous allons en parler avec nos intervenants, avec nos invités, mais tout d'abord, votre Excellence, Monsieur Eric Lebedel, venez ici sur la scène, s'il vous plaît, pour inaugurer cet événement. Madame la vice-présidente de la République de Bulgarie, Excellences, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, nous lançons aujourd'hui un cycle de 12 conférences de février à décembre 2017, associant des orateurs de haut niveau français et bulgares, ayant aussi pour objet de nourrir la réflexion commune sur l'avenir de l'Union européenne dans l'optique de la présidence bulgare de l'Union européenne au 1er septembre 2018. Je me limiterai à 5 questions. La première, pourquoi ce cycle de conférences et dans quel contexte européen? Il s'agit pour la Bulgarie de la première présidence de l'Union européenne. C'est un grand événement. La Bulgarie prendra cette présidence dans un contexte particulier, marqué par le début de négociations avec le Royaume-Uni. La présidence bulgare aura aussi la tâche décisive d'œuvrer pour la cohésion des 27, quels que soient les résultats des échéances électorales qui auront lieu d'ici janvier 2018. Elle devra aussi faciliter l'adoption de réponses communes aux défis que doit relever l'Union européenne au niveau économique et pour répondre à la crise migratoire. La Bulgarie devra enfin être l'artisan de l'Europe de la défense et d'une affirmation de la politique extérieure commune pour que l'Union apparaisse solidaire face aux incertitudes américaines et à la question russe. Deuxième question, dans quel contexte bulgare? Il y a, me semble-t-il, après 3 mois d'expérience ici, de présence ici, un besoin d'Europe en Bulgarie. Un pays qui n'est ni périphérique, ni marginal, mais à la fois plus centrale et ligne de front. Et ce besoin, c'est aussi pour consolider ses relations avec les puissances voisines, pour apporter une réponse collective à la crise migratoire, pour soutenir un développement économique orienté vers une croissance inclusive et durable, et pour appuyer les réformes administratives et judiciaires et garantir un état de droit aux citoyens bulgares. La société civile bulgare me semble très consciente de ces enjeux et plaide pour une appropriation citoyenne de l'Europe. Troisième question, quelles ambitions de ce cycle de conférences? L'année 2016
a été marquée par la montée de l'euroscepticisme, de nationalisme, de mouvements europhobes, une méfiance des opinions publiques vis-à-vis des institutions européennes. Comme l'a déclaré le président de la République française, nous ne vivons pas une crise de plus, nous vivons la crise des fondements de l'Europe. Il s'agit d'une forme de crise de légitimité, d'une crise de sens, 60 ans après la signature du traité de Rome. On assiste un peu à une aporie du projet européen. Les institutions européennes existent, elles ont contribué à l'établissement de la paix entre les peuples européens et soutenu la transition démocratique après la chute du mur. Mais où souhaitons-nous aller ensemble aujourd'hui ? Vers quelle forme de construction politique ? Sur quelles valeurs ? Comment faire en sorte que les peuples s'approprient le projet européen ? Comment remobiliser les citoyens autour de ce projet ? Comment s'impliquer davantage dans les débats européens ? Autant de questions essentielles. Quatrième question, quelles actions françaises en lien avec la présidence bulgare de l'Union européenne ? Ce cycle de conférences que nous entamons s'inscrit en effet dans une série d'actions mises en œuvre par la France pour accompagner la Bulgarie dans la préparation de la présidence bulgare de l'Union européenne. C'est le cas d'un partenariat entre le Conseil des ministres de Bulgarie et le secrétariat général aux affaires européennes. C'est aussi le cas pour la formation de hauts fonctionnaires bulgares par l'École nationale d'administration ou par la mise à disposition d'un expert auprès du ministère ou auprès du ministre de l'Intérieur bulgare. Cinquième et dernière question, plus concrète et plus pratique, quelle conférence, quel cycle ? Le calendrier sera assez serré puisque nous avons l'ambition d'avoir au moins une conférence par mois d'ici la fin de l'année, associant, je le répète, experts de haut niveau français et bulgare. Le cycle s'organise autour de trois thèmes principaux. La question de la nature et de l'avenir de la construction européenne, la question des valeurs de l'Europe et la question de la place de l'Union européenne dans le monde. Les prochains intervenants après cette conférence seront M. Denis Tersen de la Cour des comptes, ancien directeur de cabinet du ministre en charge du commerce extérieur, le 4 avril, sur l'Europe, protectionnisme ou libre-échange. Ensuite, M. Jean Quatremer, journaliste français de Libération, spécialiste des questions européennes, le 27 avril. Quelle valeur pour l'Europe ? Ensuite, le 11 mai, Thierry de Montbrial, fondateur de l'Institut français des relations internationales, sur l'évolution des relations transatlantiques. Puis M. Hubert Védrine, dans la semaine du 5 juin, ancien ministre des Affaires étrangères, sur le thème « La politique extérieure de l'Union européenne, quelle base pour une stratégie commune ?» Ce soir, pour cette conférence inaugurale, sera abordé le thème « Union européenne, l'ambition d'un grand projet démocratique ». Et nous avons le plaisir et l'honneur d'y accueillir M. Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication, spécialiste de l'espace public et de la communication politique, M. Georgi Dimitrov, professeur de sociologie et fondateur de la spécialité études européennes de l'Université de Sofia, qui est défenseur d'une intégration européenne plus forte, et Madame Antoinetta Primatarova, qui a été vice-ministre en charge de l'intégration européenne, puis représentante de la Bulgarie auprès des communautés européennes de 1999 à 2001. Elle prend des positions en faveur d'une meilleure communication entre les institutions européennes et les citoyens, au centre de stratégie libérale, et pour une plus grande implication des sociétés civiles dans le fonctionnement de l'Union européenne. Je remercie très chaleureusement nos trois orateurs de ce soir, ainsi que tous les intervenants bulgares et français, aujourd'hui et durant les mois à venir, l'Institut français de Bulgarie, avec son directeur, M. Guillaume Robert, Bulgaria on Air, avec Mme Nikolina Dimitrova, BNR et M. Vassil Velef, la Maison Rouge et sa directrice, Mme Kristina Hristova,
et le magazine Economist avec Madame Krasimira Georgieva. J'oubliais l'essentiel. L'essentiel, c'est le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, à la réflexion, et après en avoir discuté lors d'un déjeuner avec le professeur Volton à midi, au fond, c'est Romain Gary et son fantôme. Romain Gary et son fantôme Europa. Vous savez que Romain Gary a été un diplomate français et grand écrivain qui a notamment œuvré à l'ambassade de France à Sofia dans les années 47. Et il a écrit « L'Europe n'a jamais su devenir ce qui aurait pu la faire naître, une concrétisation vécue de son imaginaire ». Il y a plus de 40 ans, Romain Gary faisait ce constat cruel dans Europa, en ouvrant cependant pour l'avenir. L'Europe, pourquoi pas? Elle n'a jamais existé, alors on peut tout attendre d'elle. À nous d'infirmer ou de confirmer. Merci à son Excellence, Monsieur Éric Le Bedel, ambassadeur de France. Et donc, l'Europe en tant qu'inspiration, l'Europe en tant que responsabilité spécifique pour la Bulgarie, qui à partir donc du 1er janvier 2018 donc prendra assumera la présidence de l'Union européenne. Et donc je donne tout de suite la parole à Madame Iliana Iotova, qui est vice-présidente de la République de Bulgarie. Vos Excellences. Donc, ambassadeur donc, des pays membres de l'Union européenne en Bulgarie, mesdames et messieurs, chère Irina, je vous remercie pour cet honneur et donc pour cette opportunité d'être là ce soir pour participer à cette première conférence. Je voudrais féliciter donc, les organisateurs de ce cycle de conférences. Donc à l'ambassade de France en Bulgarie, à la Maison Rouge, à l'Institut français en Bulgarie. Il y a 60 ans, les fondateurs ont donc dénommé ce projet une belle grande idée. Donc l'Europe des valeurs communes, donc de l'établissement de la paix, de l'affirmation de la liberté. Maastricht, des années plus tard, a indiqué la direction. Donc il a souligné les objectifs et a défini les moyens qui permettraient de les atteindre. Chers amis, depuis 10 ans, nous avons cessé de parler du projet européen. Surtout au cours de ces 5 dernières années, lorsque l'Europe s'est engagée dans la voie des crises. Tout d'abord la crise financière et économique qui a engendré un chômage inédit, ensuite donc la crise migratoire avec les réfugiés qui donc nous a obligés de nous remettre en question, nous tous, donc les États membres, surtout en ce qui concerne donc la liberté de circulation, la menace terroriste et finalement le Brexit. Nous essayons donc de régler toutes ces crises au jour le jour, d'une semaine à l'autre, et donc nous sommes en train de perdre les valeurs qui nous réunissent. Nous avons complètement oublié de parler de vision, de développement. Nous avons oublié le fait que l'Europe, c'est notre promesse de paix, de prospérité et de liberté. Nous avons oublié que l'Europe n'est pas éternelle, que ce n'est pas une donnée préalable qui sera là pour toujours et qu'il faudra donc se battre pour cette union tous les jours. Les médecins disent que pour traiter un patient avec réussite, il faut savoir faire des diagnostics. Je suis sûre que l'heure, dans les mois à venir, dans les discussions, nous allons utiliser beaucoup d'arguments pour parler de tous ces problèmes-là. Mais il y a un problème essentiel qui, en fait, lamine les meilleures des intentions et bloque les meilleures des politiques, à savoir donc les relations qui ne fonctionne plus très bien entre les institutions européennes et les citoyens. Je vais citer donc un article de Monsieur Volton, je le dirai en français. «
Donc en fait, nous nous heurtons à quoi? En fait, nous essayons d'imposer à nos citoyens des solutions clés en main. Mais en fait, on ne les oblige pas à réfléchir à ces solutions, à en débattre et en choisir celles qui leur semblent bonnes. Il y a donc des réserves de la part des États membres et donc un déficit de leadership et de solidarité. Depuis donc le début de l'Union européenne, il y a donc une confiance importante qui s'appuie sur la prospérité et sur donc ce désir de ne plus permettre la guerre entre les peuples européens. Mais en fait, actuellement, tous ces débats-là sont devenus donc une menace pour la nationalité, pour la souveraineté nationale, entre guillemets. Il y a un fossé entre les institutions et les citoyens. L'erreur que nous avons commise, c'est que nous n'avons jamais su nommer précisément donc ce fossé qui s'est ouvert. Nous ne l'avons pas pris au sérieux et nous n'avons pas proposé les politiques adéquates. Voici quels sont les résultats aujourd'hui qui ont été le mieux formulés par un homologue, un député européen, donc Nicole Fontaine. Donc tout d'abord, il y avait un manque d'intérêt pour le projet européen. Ensuite, il y a eu la méfiance et ensuite, on est arrivé à l'hostilité à son égard. Et ce n'est pas par hasard si donc l'exemple emblématique donc du langage inadéquat et de l'aliénation, c'est effectivement ce qui s'est passé avec l'élargissement après 2004 et les 27 membres. Cet élargissement était nécessaire et juste, mais il a été mal préparé, mal expliqué et mal perçu par les citoyens. Quel est donc le destin? En fait, le destin de la Constitution européenne est tout simplement annoncé. Nous ne pouvons plus passer sous silence le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui participent aux élections européennes. Et même un paradoxe, personne n'a remarqué le fait que même le président de la Commission européenne est élu selon un nouveau mode. Il en est ainsi lorsque les gens ne se sentent plus impliqués dans les discussions menées au sein des institutions. Le monde devient de plus en plus trouble. Les études montrent ici en Bulgarie, l'un des derniers pays qui adhérait à l'Union européenne, où vous avez donc le pourcentage des personnes qui croient au projet européen est toujours assez élevé. Mais en fait, nous observons de plus en plus donc des attitudes très radicales. Le populisme crée cette impression d'une Europe qui n'impose que des contraintes sévères, mais qui est injuste et qui n'écoute pas les plus dépourvus, les plus démunis. Il y a aussi d'autres lignes de démarcation. La séparation entre le Sud et le Nord, la crise migratoire qui a séparé l'Est et l'Ouest. Ensuite, l'élargissement a débouché sur la séparation entre les anciens et les nouveaux. Depuis peu, on commence à parler donc de l'Europe des cercles concentriques. L'Europe à deux vitesses. Pour la première fois, c'est le président Barroso qui a commencé à parler de cela en 2011. Je vais m'abstenir de tout commentaire. Je ne vais pas expliquer pour quelles raisons cette théorie a émergé. Aujourd'hui, ce serait inacceptable et en fait, ça ne ferait que précipiter l'effondrement de l'institution européenne. Mais je suis là ce soir pour dire que ce qui compte beaucoup plus pour moi, ce sont donc les paroles de Jacques Delors, un autre leader européen en partant. Il disait que lorsque les pays européens se réunissent, l'Europe commence à parler d'une seule voix, elle devient un excellent acteur sur la scène européenne. Depuis 20 ans, il n'y a plus de leaders reconnaissables, visionnaires, qui ont du courage en Europe. Des gens énergiques qui croient réellement donc à l'échelle et à l'avenir de projets européens. Mesdames et messieurs, la question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui le déclin et donc la détérioration de l'une des plus belles idées du XXe siècle, ou bien nous allons preuve donc de force pour effectivement assurer son avenir. Si la réponse est positive, nous devons tout de suite donc lancer ces échanges pas faciles avec nos concitoyens.
nous devons proposer différentes options pour ce projet. Nous devons donner la chance aux gens de parler, de s'exprimer, de dire quels sont leurs désirs, de leur permettre de retrouver leur confiance en eux, d'être sûr que c'est à eux de faire l'Europe, que les métiers qu'ils exercent sont importants pour nos sociétés et que leurs qualités sont déterminantes pour notre vie. Il ne faut pas les laisser entre les mains des démagogues. Il faut essayer de dissiper leurs craintes et de les convaincre qu'ils peuvent être forts pour peu que donc, les divergences ne soient pas démultipliées. Et donc l'Europe ne doit pas rester enlisée dans ses propres contradictions, mais doit donc se projeter comme un acteur puissant sur la scène internationale qui peut garantir donc la prospérité et le niveau de vie élevé de ses citoyens. À titre personnel, je dirais que le traité de Lisbonne n'est plus suffisant. Donc il a vieilli avant d'être adopté. Des frontières communes, beaucoup plus de sécurité, donc une union de la défense, autant de sujets qui sont imposés par les citoyens européens. Ensuite, vous avez donc la recherche de la nouvelle identité des 27, chose qui est proposée depuis peu par la Commission européenne, donc le livre blanc. À temps pour le sommet de Rome. Ce livre blanc comprend 5 propositions de solutions pour une Europe sociale, pour l'Europe et la mondialisation, pour l'union monétaire, pour la sécurité et pour les financements nécessaires. C'est un livre blanc parce qu'il est ouvert. Et là, ce qui compte, c'est le rôle des États membres. Ils ne doivent tout simplement pas adopter le énième document, mais doivent tout simplement lui insuffler donc une vie. À cette date-là, c'est ce long échange ne fera que commencer. Il ne dépendra que de nous s'il y aura une vraie ambition, un vrai grand projet, telle est d'ailleurs la formulation donc de la conférence du sujet de ce soir. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup donc pour cette introduction faite par le vice-président de la République de Bulgarie, Ilyana Yoteva. Et donc, passons à cette grande question formulée dans l'intitulé même du débat ce soir. Que se passe-t-il, qu'arrive-t-il aux ambitions donc de ce grand projet qui est l'Union européenne. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que nous allons tout d'abord commencer avec une présentation rapide des 3 intervenants. Et il me semble que c'est une bonne idée de donner tout d'abord la parole à l'intervenant français, M. Dominique Volton. Il a déjà été présenté par l'ambassadeur de France, mais Dominique Volton est donc le fondateur de Hermès, c'est donc une édition du CNRS à Paris. Cette édition travaille sur la communication. Et l'une des questions à laquelle nous devons faire face, nous tous qui essayons de voir ce qui se passe exactement en Europe et qui essayons donc de nous engager de manière sensée dans l'existence même donc de l'Europe, eh bien tout cela est lié à la façon dont les institutions communiquent avec les citoyens. En fait, est-ce que les citoyens sont au courant de ce qui se passe au niveau politique au sein de l'Union européenne? On va tout d'abord donner la parole donc à Dominique Volton et puis nous allons donc la passer à Antoinetta Primatarova et enfin à monsieur Georgi Dimitrov, et nous allons également compter sur la participation des journalistes qui sont présents dans la salle, notamment ceux qui représentent les 2 médias qui sont partenaires dans le projet avec l'Institut français, à savoir le magazine Economist et donc la chaîne d'information Bulgaria On Air. Alors, Monsieur Volton, donc je vous donne la parole. Je vous en prie. Merci de votre invitation. Je suis très content de retrouver la Bulgarie. Et je dirais que finalement c'est un plaisir d'être ici avant la présidence par la Bulgarie, d'être dans le dernier des petits pays qui rejoint la grande Europe. Petit pays n'est pas péjoratif pour moi, parce que la grandeur de l'Europe, c'est de faire cohabiter des pays neufs, des pays vieux, des pays riches, des pays pauvres. Et je crois que ce n'est pas une crise
légitimité que traverse l'Europe actuellement, c'est tout simplement une crise de confiance, de croissance. Pas de confiance, je me suis trompé, mais de croissance. L'Europe, c'est 60 ans. L'ambassadeur l'a rappelé. Ce n'est rien dans l'histoire de l'humanité. C'est rien. C'est beaucoup pour nos vies, mais c'est rien. Alors, il faut rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux grands projets politiques qui ont existé. Un, la création de l'ONU, la seule grammaire démocratique au niveau mondial, indispensable depuis la chute du communisme, et de l'Europe. C'est tout. C'est les deux plus grands projets politiques de l'humanité. Et les Européens ont ce masochisme invraisemblable de créer la plus grande utopie politique, démocratique, pacifique, passer d'à 6, 9, 12, 15, 28, pour le moment 27, un jour 30, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et n'avoir aucune fierté. Les Européens sont masochistes. Et la petite crise qui traverse actuellement sur l'immigration, sur les finances, on en fait une catastrophe. On annonce la fin de l'Europe tous les deux ans. Et les Européens sont les premiers à dire c'est la mort de l'Europe. Alors que c'est le plus grand projet politique que l'humanité n'a jamais construit. Nous sommes fous, masochistes et incapables de voir la grandeur des choses. La grandeur de l'Europe, il faut le rappeler toujours, c'est deux raisons pourquoi on a fait l'Europe. Un, plus jamais la guerre entre nous. L'Europe, c'est 100 millions de morts au XXe siècle. En vous le disant, j'en ai encore la chair de poule. Et c'est la lutte contre le communisme. Et c'est pas ici que je parlerai de l'importance de la lutte contre le communisme. 1990, c'est la fin du communisme. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu penser que l'Europe s'arrêterait. Et le génie des Européens, c'était qu'ils ont confirmé le projet européen sur la base de la démocratie et sur la base de l'élargissement. Donc il n'y a aucune erreur. Depuis 60 ans, nous n'avons rien raté de fondamental. Et au lieu de dire finalement, on a gagné la lutte contre le communisme, on a renforcé la lutte pour la démocratie, on a commencé l'élargissement, on est en train de pleurer tous les matins. Et je suis d'accord, madame, l'Europe à plusieurs vitesses, c'est inadmissible comme concept. Bien sûr qu'il y a des petits, des grands, des riches, des pauvres, mais le principe numéro un de la solidarité européenne, qu'on ne dit même pas aux Européens, c'est que les riches aident les pauvres. Et que c'est probablement la seule partie du monde où il y a autant de solidarité. Et quand on voyage dans le monde, quel est le continent qui aide le plus au développement public mondial? C'est l'Europe. Nous finançons partout du développement public. Et on n'est même pas capable de le dire. Moi, je voyage beaucoup, il y a partout développement par le financement de l'Europe. Nous sommes ridicules. Voilà. Et on attend avec un espèce de masochisme la chute, les fronts. Alors là, il y a le Brexit. Mais c'est très bien le Brexit. C'est une crise qui permet de voir le conflit entre l'économie et la politique. Les Britanniques, comme toujours, voulaient gagner de l'argent. Mais pas faire de politique. Ils se sont trompés, ils ont finalement voté non à l'Europe. Le lendemain matin, ils voulaient déjà revoter. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe, mais ils vont sortir quand même. Il faut qu'ils sortent vite et qu'ils payent. Parce que ce serait une leçon pour eux. Parce qu'évidemment, ils reviendront dans l'Europe. Mais bien sûr, une crise de croissance, du malentendu, du misunderstanding. Moi, je travaille sur la communication. Ça m'intéresse fondamentalement, la communication. Pourquoi? Parce que la communication entre les êtres humains, entre les couples, dans les familles, dans les entreprises et au niveau mondial, la communication, ça ne marche jamais. Nous cherchons tous la communication, nous butons sur l'incommunication. Et nous passons notre vie à chercher le partage, la compréhension. On bute sur l'incommunication, l'autre n'est jamais au rendez-vous. Et nous faisons ce qui est le cœur de la communication, nous faisons de la négociation. Et le génie de l'Europe, c'est qu'on est d'accord sur rien, on se déteste, on ne se comprend pas, et nous passons notre temps à négocier. Et step by step, ça avance. 500 millions, 26 langues, des millions de morts, beaucoup de stéréotypes,
beaucoup de clichés mutuels. Et alors? On ne peut pas aller plus vite. 60 ans, c'est rien. L'élargissement, c'est merveilleux. Donc ça veut dire que cette espèce de pessimisme vient du fait que, en définitive, depuis Maastricht, on a raté le passage de l'Europe technocratique à l'Europe démocratique. Maastricht, c'était l'élection au suffrage universel. Et pour vous montrer le masochisme européen, nous avons une élection au suffrage universel pour le Parlement européen. C'est quand même un progrès incroyable. 500 millions d'Européens qui votent. Les Européens sont tellement idiots, tellement bureaucrates, tellement technocrates, qu'ils n'ont même pas été capables de trouver un jour pour que tous les Européens votent ensemble pour l'élection du Parlement. En disant, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Une utopie politique qui n'est pas capable d'organiser un jour où 500 millions votent? Et des erreurs symboliques comme ça, il y en a énormément. Voilà le mot essentiel. Pas de symbolisme dans la construction de l'Europe. C'est un projet politique, fondamentalement politique. Comment apprendre à cohabiter quand on s'est détesté pendant des siècles et qu'on n'a rien à se dire? C'est ça la grandeur du projet de l'Europe. On a commencé intelligemment par l'économie, parce que c'est plus facile de faire du business que de la politique et de la culture. Mais au bout d'un moment, l'économie a pris trop de place. Elle a pris trop de place dans une date qui est charnière, autour des années 1990, chute du communisme. On a confondu la mondialisation et la démocratie. On a cru que la mondialisation, ce serait la démocratie mondiale. La mondialisation, c'est le capitalisme mondial. Ce n'est pas la démocratie. Le capitalisme, il n'amène pas la démocratie. Le capitalisme, il permet la démocratie s'il y a la volonté politique de faire la démocratie. Et nous avons tous vécu dans le monde pendant 20-30 ans avec une confusion terrible qui est en train de se lever, qui est la confusion entre globalisation économique et démocratie. Il peut y avoir de merveilleuses dictatures avec la globalisation. Mais ça veut dire que la globalisation, elle a amené la tyrannie de l'économie. Et derrière la tyrannie de l'économie, la tyrannie de la finance. Et le bilan de la globalisation, crise de 2008 incluse, c'est la finance qui a mangé l'économie et qui a mangé la politique. Voilà où nous en sommes, en Europe, comme partout dans le monde. Mais l'Europe, on le voit plus parce que c'est difficile à construire. Et comme entre-temps, après Maastricht, on n'a pas donné le pouvoir au peuple, on se méfie des peuples, toujours. Mais les peuples ne sont pas plus idiots que les technocrates. Les peuples ne sont pas plus stupides que les bureaucrates. En tout cas, on les a tenus à distance. L'économie a pris trop de place et la bureaucratie et la technocratie européenne a pris trop de place. Pour des millions d'Européens, l'Europe, c'est des autorisations, des règlements, des punitions. Où est le projet politique? Où est l'utopie de la communication? Où est l'utopie de la négociation? Et c'est ça le problème politique qui se pose aujourd'hui. C'est que l'économie a pris trop de place, qu'on n'a pas respecté les peuples, qu'on n'a pas délégué, qu'on n'a pas réduit le pouvoir des technocrates, qu'on a cru que les peuples étaient idiots, pas très intelligents. Et la rupture de Maastricht n'a pas été entendue. Et la crise de confiance que nous traversons sur l'Europe ne fait que traduire le fait... Je vais donner un autre exemple, aussi stupide que l'élection du Parlement européen. L'Europe est la plus grande puissance scientifique, politique, économique du monde. L'intelligence accumulée dans l'Europe des 28 et des 30, si j'englobe la Turquie, est inouïe, comme savoir, comme histoire, comme mémoire, comme symbole. Et nous n'avons même pas une chaîne d'information mondiale européenne. Il y a un petit Euronews, tout petit, financièrement sauvé actuellement par un Égyptien, après avoir été sauvé par un Turc. Mais quel scandale! Mais qu'est-ce que font les dirigeants européens? Il y a 250 000 chaînes d'information dans le monde, et il n'y a même pas une grande chaîne d'information. Et Euronews est très bien fait. Très bien fait. Donc des erreurs énormes comme ça, symboliques, il y en a beaucoup. Donc pour finir, je vais vous donner quelques exemples qui justifient l'optimisme. Premièrement, la fierté de ce qu'on a fait. Une crise comme actuellement, crise financière, c'est rien. Crise des migrants, c'est rien. C'est des conflits classiques de l'histoire. La fierté, c'est d'avoir fait 6, 9, 12, 15, 25, 28, de faire cohabiter, de respecter les identités. C'est normal que dans la mondialisation, les peuples européens veulent garder leurs identités, c'est normal. La globalisation, c'est la fin des identités.
C'est normal que les peuples veulent garder leurs identités. Oui à toutes les identités nationales. Et si on dit oui aux identités, alors on tue le nationalisme. Le nationalisme, ce n'est pas le résultat de l'identité, c'est la négation de l'identité nationale. Il faut que dans l'Europe, tous les peuples conservent leur langue et leurs identités. Fier des projets, travailler sur l'histoire. Moi, je suis obsédé par trois empires multiculturels qui ont disparu en 1918 et qui expliquent une très grande partie de l'Europe. L'Empire russe, multiculturel. L'Empire ottoman, multiculturel. L'Empire austro-hongrois. Ces trois empires qui se sont effondrés en 1918, ils sont fondamentaux pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui. Parce qu'après la chute du communisme, en 2015-2020, on retrouve exactement la situation de 1914. Et ce n'est pas un handicap, c'est une chance. On ne peut pas faire une utopie politique si on ne s'appuie pas sur l'histoire. Valoriser l'histoire, valoriser ce qu'on a fait, créer Euronews, généraliser les Erasmus. Il faut faire circuler ces 500 millions d'Européens, les élèves, les professeurs, les entreprises, les banques. Valoriser les langues, ne jamais abandonner les langues nationales. Parce que si jamais il n'y a plus qu'une langue, l'anglais, dans moins de 20 ans, c'est la révolte. Bien sûr qu'il faut parler anglais. Mais la première industrie de la mondialisation, la première industrie de l'Europe, si on veut la paix, c'est quoi? C'est l'industrie de la traduction. On pense, on crée, on rêve dans une langue. Bien sûr qu'on a besoin du latin ou de l'anglais, pour le latin au XIIe siècle, l'anglais aujourd'hui. Très bien, mais les 300 mots d'anglais qu'on utilise ne font pas une communication linguistique. Donc, développer les traductions. Or, un traducteur, on trouve toujours que ça coûte trop cher. Ça ne coûte jamais cher, un traducteur. Et merci, mesdames et messieurs, dans les cabines. Parce que le génie d'un traducteur, mais le vrai génie, c'est de comprendre comment pensent plusieurs personnes qui n'ont pas la même langue et d'être capable de retraduire. Donc l'Europe devrait être la première patrie du monde pour les industries de la traduction. Faire quelques grands projets pour la science, pour la technique, pour les transports. Multiplier les expériences d'Airbus. Faire des grands travaux européens. C'est des choses simples. Ça ne coûte pas forcément cher. Expliquer que les pays riches, c'est normal qu'ils aident les pays, même si l'Allemagne en a assez de payer pour la Grèce. Mais les Grecs sont très malins. Ils trichent depuis le début de l'humanité. Mais ils trichent avec une intelligence diabolique. Nous leur devons tout l'imaginaire, une bonne partie de l'imaginaire, pas seulement, parce qu'il y a l'imaginaire du nord de l'Europe qui est très important, et l'imaginaire arabo-musulman aussi. Donc l'Europe, c'est pas seulement la Grèce. Et alors, ils mentent. Tous les peuples pauvres mentent pour être riches. Et les peuples riches mentent énormément. Le problème, c'est comme ce sont les puissants, on dit rien. Vous croyez que les États-Unis ne mentent pas tous les matins? Vous croyez que la spéculation financière américaine n'est pas existante tous les matins? Et vous croyez que les Chinois ne mentent pas? Ils nous ont fait croire pendant 20 ans, les Chinois, qu'ils avaient un taux de croissance à 15-20%. Alors on était le monde entier comme ça devant la Chine, où il n'y a aucune démocratie, où on a transporté de manière violente 500 millions de Chinois, où même quand ils ont enfin le droit de faire des enfants, ils n'en font plus, où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et c'est ça le modèle de l'avenir? Mais les Chinois, ils sont en 1820 par rapport à l'histoire européenne. Par rapport à un Chinois, on a 10 000 fois plus d'expérience. Et nous, les Européens, nous sommes les seuls dans le monde à savoir que l'autre, il est intelligent. L'autre, c'est-à-dire d'autres pays européens contre lesquels on s'est battu. Et le reste du monde. Parce que la grandeur de l'Europe, et ça, c'est que nous avons conquis le monde entre le 15e et le 20e siècle. Mais que nous sommes fait battre par toutes les colonies. Donc ça veut dire que non seulement nous savons que l'autre en Europe est intelligent et qu'il faut négocier avec lui, mais nous savons aussi que les autres pays que nous avons colonisés sont intelligents parce qu'ils nous ont battus. Donc nous sommes la seule puissance au monde. Et ça, je suis fondamental dans cette hypothèse, qui savent que les autres sont intelligents et qu'il va falloir négocier. Le principal mot politique du XXIe siècle, si on veut éviter la guerre, c'est la négociation. Et nous, les Européens, nous n'arrêtons pas de négocier entre nous et nous savons que les autres sont intelligents, les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains, et qu'il faudra négocier avec eux. Et ça, c'est une supériorité culturelle gigantesque que nous avons. Nous sommes les seuls au monde à savoir que l'autre, le petit, celui qui est... il est intelligent. Nous, on sait qu'un Irakien, c'est intelligent, très intelligent. Parce qu'en Mésopotamie, il y a 5000 ans, on a inventé l'écriture et les villes. Et il y a 3000 ans,
en Égypte. Et nous, l'Europe, pendant ce temps-là, pff, mais on le sait, c'est dans notre culture de base. Donc ça veut dire au moment où, si on veut sauver la paix dans le monde, il va falloir passer de la domination à la négociation, nous avons ce concept clé de la communication que je défends, communication politique, comme toujours. La communication, c'est quoi? C'est que de la diplomatie. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est le plus bel hommage qu'on peut vous fuir. Et madame la politique. Les politiques n'arrêtent pas de faire de la diplomatie pour éviter la guerre. Et qu'est-ce que font des commerçants? Ils négocient tout le temps. On négocie, on parle pour éviter la guerre. Et le problème, c'est que la négociation, ça prend du temps. Et je finirai là-dessus. La bataille culturelle que nous avons, nous les Européens, c'est de comprendre que, avec la mondialisation, l'information va très vite. Les réseaux, Internet, les big data, tout ça. Ça ne sert à rien, l'information. Ce qui est utile, ce n'est pas l'information, c'est la communication. C'est-à-dire la relation entre des gens qui ne sont pas d'accord. Et que dès qu'on communique, dès qu'on parle, on ne se tue pas. Mais l'information va très vite, elle est très performante, mais la communication va très lentement et elle est indispensable à la paix. La paix, c'est la communication, c'est la négociation. La semaine dernière, j'étais en Afrique et on disait tout le temps « Oh, mais les Africains, ils nous cassent les pieds, ils sont tout le temps en train de faire la palabre. » Mais la palabre, c'est la forme la plus sophistiquée de la politique. Parce que tant qu'on se parle, on ne se tue pas. Le jour où dans un couple, c'est le silence, c'est la mort du couple. Dans une famille, c'est la mort de la famille. Si en Europe, on arrêtait de se disputer, ce serait la mort de l'Europe. Donc toutes les crises qu'on traverse, le Brexit, l'immigration, et alors ? L'immigration, il va bien falloir qu'on soit un peu plus tolérant quand même avec les immigrés. Tous les Européens sont des immigrés. Tous. Et là, tous. Tous les Européens sont des immigrés et des réfugiés. Tous. Et la France, qui est au bout du continent, c'est elle où il y a le plus d'immigrés parce qu'on ne pouvait pas partir. Il y avait l'Atlantique. Alors qu'on arrête de nous embêter avec la pureté des peuples. Tous les peuples n'ont été que du mélange. Et l'Europe est la plus mélangée. Donc pour le 21e siècle, qui est la question de la paix et de la guerre sur la cohabitation, c'est nous les Européens qui sont en avance. Aucune crise, j'ai fini. Aucune crise de l'Europe. Excusez-moi. Aucune crise de l'Europe. Une petite crise de croissance, c'est rien. Une utopie, faire confiance au peuple et arrêter de pleurer et se rendre compte que jamais dans l'histoire du monde on a essayé de faire cohabiter pacifiquement des peuples entiers qui n'ont cessé de se battre pendant l'histoire. Si nous ne réussissons ce projet politique de cohabitation, alors demain on peut le faire pour l'Amérique latine. Ils n'ont que deux langues. Et ils sont aussi 500 millions. On peut le faire sur la façade sud de la Méditerranée, où il y a les langues francophones et l'arabe. Et donc, par conséquent, cette utopie de paix et de cohabitation peut devenir une utopie politique. Donc, les Européens ne sont pas fatigués. Ils ont simplement, ils ont oublié d'être fiers de ce qu'ils font. Mais ça peut revenir. Excusez-moi et merci. Excusez-moi, là. Merci beaucoup. Je voudrais remarquer, c'est une ode enthousiasmée pour l'Europe. C'est très bien de parler comme ça parce qu'il faut rappeler ce que l'Europe oublie. Mais on a entendu à plusieurs reprises le mot guerre et le fait qu'en Europe on négocie. Et donc au nom de la négociation et de la conversation, je voulais vous interrompre. Donc maintenant je voudrais donner la parole à Gheorghe. Quand j'ai compris que l'Union européenne attribue à la France de mener les négociations pour l'Union européenne, j'ai été content. Maintenant, je suis sûr que ce sera un succès. Antoinette Primatarova, une version plus pessimiste sur ce que nous vivons en Europe, vous allez nous présenter? Non. Non, elle est optimiste. Elle est optimiste. Après cette plaidoirie fervente sur l'Europe, je ne pourrais pas ajouter grand-chose, mais je pense vraiment que ce n'est pas l'objectif de ce soir, parce que je suppose que la plupart des gens ici présents partagent cette opinion. Le grand problème, ce sont les eurosceptiques dont a parlé l'ambassadeur de France tout à l'heure. Le problème, c'est
ce sont ceux qui disent que l'Europe, elle a perdu la bonne voie et qui ont des doutes. Donc, vraiment, je ne peux que être tombée d'accord avec tout ce qu'a dit notre invité. Et donc, mais pas dans l'esprit du pessimisme, plutôt dans l'esprit de l'expérience. Essayons de comprendre pourquoi il y a cette petite crise. Si nous nions qu'il y a la crise, bon, en France, c'est bien qu'il y a l'optimisme, c'est bien que ce sera le français qui mènera les négociations sur le Brexit et qu'ils auront du succès, mais il faut pas oublier le fait que, évidemment, pas tout le monde en France partage cette opinion et cet optimisme sur l'Europe. Donc, il faudrait plutôt se poser la question pourquoi les partisans fervents de l'Union européenne, ces grands donc partisans, cette grande classe d'orateurs ne parviennent pas à parler aux pessimistes, ne parviennent pas à les dissuader. C'est ça le grand problème, parce que le beau rêve, la belle Europe ne parvient pas à tout le monde. Et si nous voulons continuer de l'avant, il faudra plutôt se poser les questions. Pourquoi n'arrivons-nous pas à parvenir à tout le monde? Quels sont ceux à qui on n'arrive pas à faire entendre notre voix? Malheureusement, les mots sont parfois des pièges aussi. Je voudrais même au début dire que en voyant le titre de la discussion d'aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire le projet. Moi personnellement, je crois que l'Union européenne est vraiment un projet, quelque chose de très bien, et son récit en tant que projet crée l'illusion, crée l'utopie que ce projet à une finalité, à un objectif final. Ça crée l'idée que nous construisons et que nous avons fini finalement à construire la maison et nous nous arrêtons, nous vivons dans le confort idéal, parfait. Mais je pense que ça induit dans l'illusion, et que la visualisation de l'idée d'un projet de construction avec le traité de Maastricht, qui était partout présenté comme un temple antique avec les trois grandes colonnes. Et quand on a rassemblé la convention avec le discours de Joschka Fischer, qui rêvait de voir dans ce processus de création de la Constitution européenne, on va finir la construction européenne. Et avec ça, on a créé beaucoup d'attentes fausses. Donc moi personnellement, j'évite d'utiliser le mot projet quand je parle d'Europe, en dépit de tous les succès dont je suis d'accord. Je pense même qu'il y a un petit problème avec le mot ambitieux. Oui, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de se poser des objectifs, mais des fois on se dit qu'une personne ambitieuse, ce n'est pas toujours tout à fait positif. C'est quelqu'un qui est fonceur, qui arrive, qui fait les choses, mais qui est parfois un peu exagéré. Donc l'ambition, ce n'est pas le terme crucial. Je voudrais donc proposer une notion qui a été utilisée à plusieurs reprises, les négociations notamment. Je pense vraiment que ce que représente l'Union européenne, c'est la manière dont on mène les négociations entre les États membres. Et donc, lorsque la Bulgarie était sur le point de devenir État membre, il y avait une discussion sur la souveraineté nationale. Donc, en essayant d'expliquer pourquoi il fallait donner la souveraineté, que ce n'était pas une perte, mais que c'était un gain,
c'était que dans le monde contemporain, dans le cadre de l'Union européenne, la souveraineté représente une place autour de la table de négociation. Donc pour la Bulgarie, c'était quelque chose d'extrêmement important de pouvoir se mettre à la table de négociation. Et maintenant, elle, non seulement elle va participer aux négociations, mais elle va aussi mener ces négociations. Elle va être la modératrice, en quelque sorte, de ces négociations. Et c'est quelque chose d'unique dans l'Union européenne. Ce qui est complexe, c'est que ces négociations sont menées à des niveaux différents. Mais pour moi, le mot de projet devrait être évité et il faudrait utiliser à la place le mot de processus de négociation, de mécanisme de négociation. Il s'agit de mécanismes uniques dans le cadre de l'Union européenne et au niveau mondial. Et au lieu d'ambitieux, j'en appellerais à utiliser plutôt le terme de pragmatisme. Je pense que l'idéalisme, c'est quelque chose de merveilleux. L'idée européenne nous a toujours propulsés vers l'avant, mais avec toutes ces crises auxquelles nous devons faire face, nous avons besoin de pragmatisme. Donc je partage la vision du président de l'Union européenne, Donald Tusk, qui se permet de temps en temps de tempérer un peu les grands optimistes et de dire que la rhétorique dans le cadre de l'Union européenne a fait beaucoup plus de dégâts que de bénéfices. Donc, il propose de passer à une approche plus pragmatique. Et sinon, pour moi, la situation me rappelle la période préadhésive de la Bulgarie. On était en même temps observateur sur les négociations de l'avenir de l'Union européenne et on organisait beaucoup de débats ici en Bulgarie en concert avec la Maison Rouge et d'autres institutions bulgares. Et cet enthousiasme sur la Constitution européenne, il s'est terminé avec donc l'échec du non français et du non hollandais. Je crains que les politiciens n'aient rien appris de l'échec du traité de constitution européenne. Et les débats qu'on commence maintenant à mener sur les voies de négociation, sur les célébrations du 60e anniversaire, sur le livre blanc, sur les débats. Donc cela me rappelle trop la situation de 2005, l'enthousiasme un peu exagéré et donc on n'a pas pu faire donc tirer les enseignements du non et le manque de communication donc nous a montré que il fallait vraiment communiquer avec les citoyens. Et en 2009 lors de l'adoption du traité de Lisbonne, tout cela a été un peu dissimulé, balayé sous le tapis. L'adoption du traité de Lisbonne a été représentée comme une grande réussite, mais finalement, aucun de ces malentendus n'a été résolu. Aucun de ces malentendus qui ont mené au rejet en Irlande et en France. Et donc, maintenant, tout le monde a peur du résultat des élections dans ces deux pays. D'abord, au mois de mars, en Hollande, puis les élections en France. Et donc, ça nous montre que ce qui s'est passé en 2005, les politiciens, ils n'ont pas appris leur leçon, ils n'ont rien fait. Et donc, tout ce temps entre 2001 et 2009 a été un temps perdu parce qu'on n'a pas tiré les bons enseignements de ces erreurs. Donc je partage avec ferveur la fierté de ce qu'a fait l'Union européenne, la fierté de ce que la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, l'optimisme sur l'avenir. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre qui sont liés à la manière de mener les conversations, de mener les débats à l'intérieur des États membres et entre les États membres, à l'intérieur de l'Union européenne.
européenne et entre l'Union européenne et le reste du monde. Je reviendrai à la formulation du sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai dit que j'ai un problème en disant que l'Union européenne est un projet ambitieux, mais je voudrais dire que l'objectif de notre débat d'aujourd'hui est un projet ambitieux. Donc, si la Convention européenne avait besoin de plusieurs mois pour chercher les réponses à ces questions, nous tromperons notre public si nous disons capables de proposer des solutions en une heure et demie. Pour refroidir un peu les ardeurs, une explication intéressante, pourquoi cet enthousiasme de l'Europe qui commence déjà à céder un peu la place si nous essayons de voir ce qui se passe dans les autres États européens. Georgi Dimitrov, quelle est votre approche vers ce sujet? D'abord, je voudrais remercier pour votre invitation à participer à ce débat. C'est un honneur et un privilège d'être en compagnie de M. Volton et de Mme Primatarova. Lorsque Mme Nedeva m'a invité à participer à ce débat, c'était ces deux arguments qui m'ont convaincu à venir. D'abord la compagnie et ensuite le sujet de ce débat. Madame Nedeva m'a invitée, elle m'a dit que la formulation officielle a été corrigée. D'abord, on voulait débattre, réfléchir à l'Union européenne en tant qu'un projet contradictoire. En contesté, moi je dirais plutôt contradictoire, mais ça c'est votre interprétation à vous, c'est donc votre droit d'expliquer votre argument. Donc il me semble que le plus grand danger devant l'avenir de l'Union européenne, c'est que très peu de gens réfléchissent à ça, et ceux qui y réfléchissent peu. L'avenir de l'Union européenne demande beaucoup plus de gens qui savent de quoi il s'agit, qu'ils investissent toutes leurs capacités pour comprendre d'abord ce qui se passe et ensuite réfléchir à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Parce que vous faites partie de ces gens. Je vais y arriver à la fin, mais comme les collègues qui ont parlé avant moi ont utilisé leur temps pour introduire leur thèse, je me permets d'introduire ma thèse aussi. Donc, j'aime bien l'acception, l'idée que l'Europe peut être un projet contradictoire, parce que peut-être que nous savons ce que c'est un projet. Et donc, dire que l'Union européenne est un projet contradictoire, c'est inopportun, c'est scandaleux, donc nous avons fait une erreur. Mais Mme Nedeva, elle a dit, non, c'est plutôt, on dirait, un projet contesté. Au contraire, vous vous trompez. Si nous considérons de manière sérieuse le projet, ce n'est pas quelque chose qui passe par la tête, quelque chose à quoi je pense, quelque chose qui me traverse l'esprit. Non, ce n'est pas un projet. Le projet, c'est une notion très forte qui demande un objectif très bien réfléchi, qui a été décomposé en plusieurs tâches et dont la solution va nous mener à l'objectif. Et donc nous avons besoin de plusieurs versions, nous avons besoin d'une équipe, nous avons besoin d'un budget, nous avons besoin d'outils, de responsabilités pour que nous puissions parvenir à notre objectif. Donc le projet, c'est quelque chose de très engageant. L'Union européenne n'a jamais été donc un projet dans ce sens. L'Union européenne a toujours été une contradiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Piotr Petili à une étude vertueuse qui prouve que nous ne savons pas ce que c'est que l'Europe, parce que l'Europe est toujours quelque chose d'autre. Mais l'Europe, c'est une civilisation qui a la capacité de se développer. Il n'y a
pas moyen de penser au développement si vous oubliez la contradiction. Donc l'Union européenne, c'est une contradiction institutionnalisée et elle va continuer à être une contradiction. Et c'est la garantie qu'elle existera toujours. Donc oublions que l'Union européenne est un projet. Ça n'a jamais été un projet. Et ça n'a jamais existé comme un projet. L'Union européenne, donc disons les choses avec leur propre nom. Nous n'avons pas besoin de belles phrases et de nuages roses. Il n'y a pas besoin de tourner le dos à la réalité. Dans l'annonce sur le cycle de conférences, il est dit que l'Union européenne a été créée après les événements de la fin du XXe siècle. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas après. L'Union européenne a été créée à cause des grands événements de la fin du XXe siècle. D'abord, octobre 1990. Et l'unification de l'Allemagne. Nos aînés se souviennent, et donc les gens qui sont ici présents, qui sont plus âgés, se souviennent encore ce que ça représente. Tous les présidents, que ce soit Mitterrand ou un autre président français, tous les présidents auront toujours la même opinion sur l'unification de l'Allemagne. L'Allemagne qui devient grande. Peut-on rendre la grande Allemagne petite? Bien sûr. C'est la diluer dans quelque chose de plus grand. Aucun doute que l'Allemagne va penser à unifier d'autres pays autour d'elle. La Pologne, la Tchécoslovaquie doivent aussi entrer dans l'Union européenne. C'était une solution pratique aux problèmes monstrueux. Nous voyons à quel point les problèmes sociopolitiques doit faire face l'Union européenne. Si ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie s'était passé dans les autres pays ex-socialistes, oui, 100 millions de gens vivaient dans ces pays. S'ils avaient fait ce qu'ont fait les ex-Yougoslaves, qu'est-ce qui allait se passer avec l'Europe? Il fallait créer l'Union européenne parce que c'était la réponse du moment, une réponse ad hoc à un problème monstrueux. L'intégration européenne n'est rien d'autre que des solution momentanée à des crises, et le résultat final de l'existence de l'Union européenne ne serait rien d'autre que la somme des solutions de crise que nous avons trouvées. Avouons que c'est ça l'état de fait. Que représentait l'intégration européenne dans les pays post-communistes? En jugeant par la manière dont on a fait l'intégration. Quand le processus d'extension du cinquième élargissement a commencé, l'objectif n'était pas de faire entrer les pays de l'Europe de l'Est. L'objectif était de remettre notamment leur adhésion. Et le processus, justement, visait à remettre tout ça. Donc, comment parler de tout ça de manière concrète lorsque nous oublions les réalités? Nous devons regarder les réalités dans les yeux. Les réalités sont désagréables. Nous attendons que l'Union européenne agisse comme un sujet monolithe pour résoudre les problèmes. Mais jusqu'à présent, son comportement ces 10 dernières années marque donc le refus de résoudre les problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous voyez les solutions proposées par les institutions européennes. Récemment, la Commission européenne a rejeté le suivi européen sur le comportement anticorruption des États membres sans aucune motivation. La Commission européenne a tout simplement rejeté ce suivi.
au moment où, le Parlement européen a justement attribué à la Commission d'élaborer un mécanisme. Parce que même si la primauté du droit soit au fond du système de valeurs de l'Union, il n'y a jamais eu jusqu'à présent de politique qui défende ce fondement, ces valeurs, ce système de valeurs. Qui va travailler dans ce sens? Les institutions. Mais qui travaille dans ces institutions? Ce sont les politiciens. Et c'est ça le grand drame. Il ne peut pas y avoir de Parlement européen sans parti des socialistes européens. C'est peut-être pas le plus grand parti, mais il n'y a pas moyen d'avoir de politique européenne et d'Union européenne s'il n'y a pas de parti socialiste européen. Mais jusqu'à présent, le chef de ce parti est quelqu'un qui est traduit en justice dans son propre pays. Il a été élu au moment où il était déjà justiciable, parce que le lien entre son parti et donc la criminalité a été prouvé. Comment je sais ça? Je lis de gros livres parce que je suis universitaire. L'année dernière, à ce moment, Momchil Metodiev et son co-auteur ont publié un volume avec les dossiers des agents secrets en Bulgarie. Et on voit donc le contenu des documents qui ont été détruits. Imaginez-vous à quel point le seuil de l'hygiène politique est bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais proposer un appel à tous les citoyens européens, pas les citoyens bulgares seulement, tous les citoyens européens. Nous sommes responsables des gens qui nous représentent. Et il n'y aura pas d'Union européenne s'il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas moyen de faire représenter les gens dans les institutions européennes s'il n'y a pas une vraie représentation. Il faut organiser des élections dans tous les États membres. Et il faut élire ces gens qui savent prioriser les grandes priorités européennes pour l'avenir. Monsieur Volton, vous vouliez ajouter quelque chose? Par rapport à ce qui s'est dit, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que politiquement, le projet européen a toujours été controversé. Il n'y a jamais eu de consensus pour l'Europe. Jamais. Ni à 6, ni à 9, ni à 12, ni à 15, ni à 28. Donc quand on dit c'est angoissant, c'est inquiétant qu'il y ait de l'euroscepticisme qui explose, mais l'euroscepticisme a toujours existé. Aujourd'hui, il est plus visible parce que l'Europe est plus démocratique qu'en 1970. Et pour ma part, je ne trouve rien d'extraordinaire à ce qu'il y ait en Europe 30 à 40% d'eurosceptiques. C'est normal. Le projet politique divise les Européens. Ils ne sont pas tous d'accord. C'est normal qu'il y ait des eurosceptiques. Une force, un combat politique, il y a toujours des gens pour et des gens qui sont contre. Dans une démocratie, dans un pays, la Bulgarie, l'Espagne, l'Italie, il y a une majorité qui est à 50-55% et le reste est dans l'opposition. Donc moi, je ne suis pas étonné de l'euroscepticisme. Et je pense même que c'est une nécessité. Par contre, là où il y a un vrai problème, et c'est le deuxième point, c'est que ceux qui sont les défenseurs de l'Europe et qui veulent construire l'Europe politique, ils sont très mauvais en matière d'information et de communication. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas normal que Euronews... C'est très grave l'absence d'une chaîne d'information mondiale européenne. C'est très grave. Mais il y a plus grave que ça encore. C'est que les médias nationaux des 28 pays ne traitent pas bien du tout la question européenne. Avec un argument stupide dit par tous les directeurs de journaux, de radio et de télévision, c'est pas la peine qu'on fasse beaucoup d'informations européennes parce que ça n'intéresse pas les Européens. Or, le rôle de la politique comme le rôle de l'information, ce n'est pas de répondre à la demande des gens, c'est de faire un travail d'offre. Et la responsabilité des médias européens dans la caricature de la construction de l'Europe est grande. Mais il n'y a pas que. Les hommes politiques
ont aussi une large responsabilité dans la crise actuelle de confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes politiques pendant 60 ans? Ils ont été schizophrènes. À Bruxelles, ils ont construit l'Europe. Très bien. Quand ils revenaient dans leur pays, ils disaient « Ah, ça va mal à cause de Bruxelles ». C'est-à-dire totalement mensonge. Ils n'assumaient pas dans leur pays ce qu'ils faisaient au plan européen. Et ce que je voudrais dire en matière, et ça me permet de dire une question de théorie politique. Il n'y a jamais de grand projet qui soit clair, simple et visible. L'Europe, c'est un immense projet politique, et je vais revenir sur le mot projet. Et c'est normal qu'il se soit fait comme ça. Parce qu'on ne peut pas dire les choses nettement. La politique, ce n'est pas le bien et le mal seulement, c'est surtout quand il y a une grande utopie. Et je ne reproche pas aux hommes politiques d'avoir tenu deux vocabulaires. Mais au bout d'un moment, depuis Maastricht et depuis Lisbonne, il fallait, et c'est le troisième point, il fallait faire plus confiance aux peuples. Mais les peuples européens, ils ne peuvent pas avoir une admiration forte pour l'Europe parce qu'on ne leur donne pas l'information sur ce qu'est l'Europe. Il n'y a pas d'espace public européen. Regardez les journaux bulgares, ou les radios, les télévisions bulgares, ou françaises, ou espagnoles, ou italiennes. Les informations européennes, c'est même pas 10%. Alors que c'est le projet politique le plus important du monde. C'est-à-dire que les médias européens ne croient même pas à l'importance du projet. Donc c'est un cercle vicieux. Moins on parle de l'Europe, moins ça intéresse, plus l'hostilité à l'Europe augmente. Donc il y a des solutions très simples pour créer de l'adhésion. Il y aura toujours des eurosceptiques. Mais les europhiles sont des masochistes qui se tapent sur la tête avec un marteau parce que les hommes politiques n'expliquent pas ce qu'ils ont fait. Les hommes politiques n'expliquent pas les contradictions de l'Europe. Le Parlement, qui est la seule institution démocratique, n'est pas écouté. Et on n'explique même pas au peuple européen que c'est normal qu'il y ait des conflits. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des conflits entre le Conseil des ministres, entre la Commission européenne et le Parlement. La politique, ce n'est que des conflits, ici comme ailleurs. Mais la démocratie, c'est la capacité à expliquer. C'est quoi une dictature? La dictature communiste ou la dictature fasciste? C'est de faire croire que tout le monde est d'accord pour aller quelque part. La démocratie, c'est quoi? C'est d'admettre qu'il y a 55% des gens qui sont d'accord et que les autres sont les opposants et qu'on essaie de faire avec. La seule différence entre la politique habituelle et le projet européen, c'est que ça, et je voudrais finir là-dessus, l'Europe, c'est une immense utopie. Immense. Faire cohabiter pacifiquement des centaines de peuples qui se sont battus depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un projet politique banal. C'est une utopie. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand pour les hommes. Et moi, je pense qu'on grandit l'Europe en rappelant constamment cette utopie politique parce que les peuples, ils ont besoin d'utopie. Ils ont besoin de rêves. Et que je suis d'accord, madame, sur les procédures, mais à condition de toujours dire que les procédures, elles n'ont un sens que parce qu'au-dessus des procédures, il y a une utopie folle, qui consiste à croire que les Européens qui se détestent pourront un jour cohabiter. Et c'est ce qui s'est fait depuis 50 ans. Vous croyez que l'amitié franco-allemande, c'était possible? Trois guerres mondiales. La haine entre les Allemands et les Français, c'est invraisemblable. S'il n'y avait pas eu deux génies, Adenauer et De Gaulle, il n'y aurait jamais eu le rapprochement franco-allemand. Vous croyez que l'Europe des six, on ne se rend plus compte aujourd'hui. C'était impossible à faire. Et on l'a fait. Et on est passé à 9, on est passé à 12, et on est passé à 15. Et quand en 1990, on a dit qu'est-ce qu'on fait après le communisme? On élargit, on n'élargit pas. Mais dans presque tous les pays, non, il ne faut pas élargir, non, on ne va pas prendre les anciens pays communistes, ils ne sont pas prêts, etc., etc. Les dirigeants européens, dans une grandeur incroyable, ils ont dit, on y va. Et c'était le bordel. Comment on dit le bordel en bulgare? Mais oui, c'était le bordel. Rien n'était prêt, ni économiquement, ni administrativement, ni rien. Et c'était l'utopie européenne qui était la plus importante. Et ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas au monde depuis. Il y a deux grandes utopies qui fonctionnent dans le monde actuellement. L'utopie de l'ONU, c'est-à-dire de croire que tous les peuples, malgré leur immense diversité, malgré leur haine, sont capables de se réunir une fois par an à l'Assemblée générale de l'ONU et parler. Il y a deux villes au monde où on n'arrête pas de négocier.
New York pour les Nations Unies et Bruxelles pour l'Union Européenne. Alors, la première utopie, c'est l'ONU. Bien sûr que la communauté internationale, c'est stupide. Ça n'existe pas. Mais c'est la seule chose qui grandisse les hommes. Et l'Europe, c'est la même chose. Donc oui, pour les procédures. Mais ce n'est pas les procédures qui font l'histoire. Ce n'est pas les procédures qui font la politique. C'est la grandeur des hommes. Et ils peuvent se disputer tous les jours. Bruxelles, c'est que des disputes. Mais c'est que de la négociation. Et on y va, step by step. Un peu moins de haine. C'est pour ça que j'insiste sur la connaissance de l'histoire. Parce qu'il faut respecter l'histoire des 28 peuples de l'Europe. Et il ne faut pas faire une histoire commune de l'Europe. Ça n'a pas de sens. Mais il faut éclairer. Et, merci. Et quand je dis, par exemple, les trois empires, ils sont fondamentaux pour comprendre l'histoire, c'est vrai. Et après, il y a les religions, il y a les chrétiens, il y a les orthodoxes, il y a les musulmans. On ne peut rien comprendre à l'Europe si on ne sait pas qu'à Vienne, en 1683, a été levé pour la dernière fois le siège ottoman contre l'Europe. Et c'est un prince catholique polonais qui a gagné contre les Ottomans. Elle est là, l'histoire de l'Europe aussi. Et c'est comme ça qu'on peut faire l'Europe. C'est pour ça que la tradition arabo-musulmane, elle fait partie de l'Europe. Les Balkans étaient en partie musulmans. L'Espagne était en partie arabo-musulmane. Et ce sont toutes ces traditions. Et pourquoi l'utopie politique européenne, elle est extraordinaire? C'est parce qu'on est d'accord sur rien entre nous. On ne se comprend pas. On n'a pas les mêmes mots. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes références. On se méfie les uns des autres. Et malgré tout ça, on avance. C'est nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, oui, l'utopie, c'est plus important. Et j'ai fini là-dessus. Excusez-moi. Les peuples ont besoin d'être mobilisés. Les peuples sont intelligents. Et la tragédie de l'histoire européenne, c'est qu'elle s'est faite pendant 50 ans dans la technocratie. Et c'est normal. C'est normal. Moi, j'admire les technocrates qui ont fait l'Europe. Mais que maintenant, depuis Maastricht, il faut associer les peuples. Et plus on associera les peuples, plus ils voudront cette grande utopie. Même si on n'est pas d'accord. C'est bien. J'ai fait. Que tôt. Mais j'ai pas été très long, hein. Non. Non. C'est parce que je parle vite. Ça alors. Vous avez dit l'ONU. Vous avez comparé l'ONU et l'Union européenne, mais la Grande-Bretagne n'est pas sortie de l'ONU. Elle n'est pas sortie de l'Union européenne. Le vote du Brexit, le lendemain du Brexit, vous le savez très bien, les Européens, les Anglais ont dit merde. Merde, on s'est trompé, on n'a pas été voté. Pour l'instant, ils vont sortir de l'Europe, mais dans moins de 10 ans, ils vont revenir dans l'Europe. Vous prévoyez tout en Grande-Bretagne? Oui, mais le gouvernement britannique a fait tout son possible pour faire cette procédure, step by step, pour sortir de l'Union européenne. Ils sortiront, ils reviendront. Et s'ils ne veulent pas revenir, ils ne reviendront pas. Et on fera comme ça. L'histoire continuera. Oh là là! Il faut avoir confiance dans l'histoire. L'histoire continue, mais il faut comprendre ce qui se passe. Donc, ma question à vous tous, c'est il faut se rendre compte qu'en Europe d'aujourd'hui, il se passe des choses qui, il y a 5, 10, 10 ans, ou dans la période 2001-2005, personne ne s'imaginait que tout ça allait se passer. Un des États clés sort de l'Union européenne. Bien, un pays qui a gardé sa monnaie nationale, qui n'est pas dans la zone euro, mais quand même un État membre, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'Union européenne? Pourquoi sortent-ils? L'Union européenne pour les mêmes raisons que les Allemands et les Italiens. Et alors? C'est ça le génie de l'Europe. Pour l'instant, ils veulent partir, mais qu'ils partent. Les Anglais voudraient revenir eux-mêmes parce que toute la finance, toute l'économie, toute la jeunesse ne veut pas. Ne veut pas. Donc, ils reviennent. C'est une bataille politique. Mais bien sûr. Et s'ils ne reviennent pas, c'est pas grave. Professeur Dimitrov. La Turquie viendra. Ah! Mais les Turcs, ils sont très intelligents. L'Empire ottoman, c'était très, très intelligent. Vous le savez. Professeur Dimitrov. Mais oui. Professeur Dimitrov. Professeur Dimitrov.
Je pense que ça deviendra dangereux si nous considérons l'Union européenne comme un restaurant. Si quelqu'un veut entrer, il prend un, il boit un coup et puis après il s'en va pour faire un scandale. Il faut qu'il y ait un engagement. Mais je suis pas quelqu'un qui dramatise la sortie de la Grande-Bretagne. Vous avez peut-être tous lu et entendu que c'était ça provoquerait un effet domino, l'effet du domino. Mais c'est un cliché qui montre qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Bien sûr, c'est désagréable, le Brexit. Mais au pire, c'est désagréable parce qu'il s'agit d'un État important, rien de plus. L'Union européenne n'est pas un château de sable, un château de cartes. L'existence de l'Union européenne a deux fondements, un fondement interne et un autre externe. D'une part, le fondement interne, c'est le bénéfice, et de l'extérieur, c'est la contrainte. L'Union européenne existe à cause de la contrainte extérieure de la concurrence mondiale, et de l'intérieur, il y a le bénéfice. Même la Bulgarie, qui ne peut pas se vanter de beaucoup de bénéfices, elle n'a pas de problème pour montrer que ces 10 dernières années, l'échange avec les États membres, l'échange commercial s'est multiplié par 5 et les exportations se sont multipliées par 6. La réalité sociale, c'est quelque chose d'important lorsque ça se multiplie par 5 ou par 6. S'il y a un accroissement de 5, 10%, c'est un développement important. Et nous, en 10 ans, nous avons multiplié par 5 notre échange commercial. Il ne s'agit pas des fonds européens qui passent par la redistribution des institutions. Cela montre que l'économie a beaucoup gagné. Donc, il y a un bénéfice très clair qui montre que c'est bien que l'Union européenne doit exister. Mais il ne faut pas penser l'Union européenne seulement du point de vue du bénéfice idéologique. Oui, c'est quelque chose qui est important qu'on peut montrer noir sur blanc. Mais le bénéfice serait plus important s'il y a la primauté du droit partout. C'est pas un problème que de la Bulgarie, de la Roumanie ou de la Croatie. Vous savez que la moitié des États membres de l'Union européenne ont de quoi s'inquiéter étant donné les politiques qui vont garantir la primauté du droit. Est-ce que vous avez donc envie de réagir, de poser des questions dans la salle? Là-bas. Là-bas derrière, là. Un monsieur. Da. Un barbu. Petite question à monsieur Volton. Tout d'abord, lors de ces derniers jours, on entend Madame la chancelière allemande, Madame Merkel, et je pense aussi Monsieur Juncker, dire qu'il faut déjà penser à une Europe à plusieurs vitesses. De ce que je comprends de vous, vous êtes contre cette idée, mais essayons d'imaginer un peu à quoi ça peut ressembler et quel sera l'impact pour l'Europe et des pays comme la Bulgarie en particulier. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vite fait, est-ce que vous pensez que dans les 10 années à venir, quand apparemment l'Europe sera occupée par ces problèmes, elle peut être un acteur fort sur le scène mondial? Et est-ce que ça passe nécessairement, forcément par une Europe fédérale, c'est-à-dire, autrement dit, États-Unis d'Europe. Merci. Alors,
Peut-être ce serait bien de collecter un certain nombre de questions et ensuite de... Donc peut-être ce serait bien de collecter un certain nombre de questions. Alors je m'appelle Stoyna Lagdat. Quelle est votre opinion? Est-ce que vous croyez que le futur de l'Union européenne passe surtout tout d'abord par une homogénéisation, on pourrait dire, intérieure en matière d'économie, au champ administratif, en matière de la législation, et une homogénéisation plus forte de l'Union, et après, ou en même temps, faire attirer les marchés mondiaux, surtout dans les pays d'Afrique ou de l'Asie, par rapport à travers leur... non seulement juste par les exports européens, mais plutôt à travers leur marché public. Ça veut dire non finançant des projets sur place, mais partageant avec ces pays connaissances et un peu d'équipement pour que ces pays eux-mêmes, en voie de développement, puissent réaliser grands projets infrastructurels, par exemple, ou en matière technique. Et après, ces pays, on pouvait dire le monde entier développé, le monde entier en développement peut-être, venir des marchés plus sûrs pour l'Europe, pour l'Union européenne. Je n'ai pas, excusez-moi, répétez-moi, je n'ai pas bien compris la question, madame. En deux mots. J'ai demandé, est-ce que vous... Est-ce que vous croyez que c'est possible que l'Europe propage ses connaissances et ces technologies à travers les marchés publics dans les pays en voie de développement maintenant pour y faire ces pays progresser et encore à partir de leur développement petit à petit ces pays venir des marchés plus sûrs pour l'Europe, pour les produits européens, comme le plan marche à l'avant, comme les États-Unis qui ont aidé financièrement aux pays européens après la guerre mondiale et après les pays européens ont devenu pour un certain temps des marchés assez profitables pour les États-Unis. Alors, donc là, on va regarder du côté Bonjour. Du deuxième rang. Moi, je veux savoir comme aux États-Unis, où il y a un salaire minimum pour tous les États-Unis, donc chaque État peut le faire plus, mais il y a un salaire qui est à peu près de $7.20. Est-ce qu'en Europe, on pense à faire un salaire minimum pour tous les travailleurs européens? Merci. Donc, en fait, ce que vous voulez, vous voulez parler du revenu universel de base. Oui. Bonsoir, Quinta. J'ai en Bulgare, deux questions. Oui. Bien sûr, bien sûr. Dobro večer, imam. Ok, j'arrête là. Une question, monsieur Dimitrov. Comment dire, vous avez fait une blague voilà, sur le fait que les négociations du Brexit sont confiés un Français, Michel Barnier. Voilà, comment dire. Et donc, comment dire, vous en attendez de grands résultats. Voilà, mais j'aimerais avoir votre vision du scénario. Voilà, si un Bulgare, une personnalité bulgare, était responsable de la négociation du Brexit, voilà, à votre avis, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Première question. Deuxième question là, qui s'adresse à M. Dimitrov et à Mme Primatarova. Comment dire, du côté bulgare, enfin, de vue de Sofia, comment dire, quel est le rapport que vous faites pour la Bulgarie entre utopie et pragmatisme? Parce que, voilà, comment dire, enfin, on a senti une claire division entre vous. Voilà. Et j'aimerais avoir un développement sur votre vision de l'utopie, votre vision du pragmatisme. Voilà. Et pourquoi un choix et pas l'autre? Merci. Alors, encore une autre question. Alors, donc, ce sera donc une dernière question. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que dit l'article 48 sur le traité de l'Union européenne?
Ça dit que toute modification des traités demande l'unanimité des États membres. Ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait une harmonisation fiscale, salariale, comme suggéré par une des auditrices de la salle. Vu qu'il y a des pays, enfin, des paradis fiscaux dans l'Union européenne tels que l'Irlande, le Luxembourg, toute proposition d'harmonisation fiscale en fait échouerait, puisqu'ils conneraient immédiatement leur veto. Pareil pour les pays en fait qui bénéficient d'un avantage compétitif vis-à-vis des pays d'Europe de l'Ouest. Pareil, par exemple, aussi pour une politique étrangère indépendante, vu que l'Allemagne et les pays d'ex-URSS, pour des raisons qu'on peut comprendre, considèrent que la politique de défense commune doit se faire dans le cadre de l'OTAN. Articulez plus fort parce qu'on n'entend pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'Union européenne, en fait, est un principe dangereux pour le monde? Ça pose un peu le principe... Qu'est-ce qui est dangereux? J'ai pas compris ce qui est dangereux. L'Union européenne elle-même. Ça pose le principe qu'il y a des pays torchons et des pays serviettes. Que juste parce que nous sommes voisins géographiquement, qu'on devrait avoir les mêmes intérêts, la même vision du monde. Alors moi, je n'ai rien contre les pays baltes. Je n'ai rien contre eux. Les pays baltes. Contre les pays baltes. Oui, mais force est de constater qu'en France, nous avons plus de liens avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée, les pays de la francophonie comme la Bulgarie. Quand on regarde le principe de la construction européenne, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est avancé. Enfin, c'est que c'est les peuples blancs judéo-chrétiens qui doivent s'allier contre le monde arabo-musulman, le milliard d'Indiens, les Chinois qui vont tous nous bouffer. C'est une vision un peu anxiogène du monde. Et ça s'inscrit parfaitement dans le choc des civilisations développé par des groupes de réflexion américains. Et on en voit les premiers signes au Moyen-Orient, avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui s'allie avec les néoconservateurs américains pour désinguer tous les pays laïcs du Moyen-Orient. On le voit en Ukraine avec Laurent Fabius, Catherine Ashton et les néoconservateurs américains qui vont dialoguer avec une coalition comprenant un parti néo-nazi pour renverser le président ukrainien qui était certes corrompu mais démocratiquement élu, en espérant qu'ensuite la même chose se passe à Moscou. J'ai compris. Moi, je pense que la France aurait tout intérêt à sortir de l'Union européenne et à avoir des coopérations internationales avec les pays qui estiment que ça serait dans leurs intérêts nationaux. Les gens pensent que l'Union européenne, c'est la coopération internationale. Non, c'est l'intégration supranationale. Et il y a une différence. Alors, je vous propose tout d'abord de commencer avec la dernière question qui était adressée à M. Volton. Alors, M. Volton, la dernière question, est-ce que l'Union européenne représente un danger? Donc, la dernière question qui a été formulée en français est l'affirmation selon laquelle la France aurait tout intérêt à quitter l'Union européenne et à mettre en place donc des relations avec les différents pays. Pardonnez-moi, je préfère quand même commencer dans l'ordre par les premières questions. Je répondrai à cela, mais après. Parce que personne en France ne demande le départ de la France de l'Union européenne. Personne. Il y a des gens qui le demandent. Mais... Non, la première question qui était sur l'Europe à deux vitesses ou à plusieurs vitesses, je voudrais répondre aux... Depuis qu'on est à 15, c'est-à-dire depuis 1995, le débat de l'Europe à deux vitesses est toujours repris. Deux vitesses, trois vitesses, quatre vitesses. Et pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne solution? C'est parce que si on instaure une Europe à deux, trois vitesses, c'est automatiquement une hiérarchie entre les plus grands, les plus puissants et les plus petits. Par contre, c'est vrai que les Européens n'ont pas le même engagement sur l'Europe. Et je pense que pour résoudre cette question de la volonté politique européenne, il faut faire des votes par grands projets. Éducation, sciences, technologie, économie, santé. Et que l'Union européenne pourrait dire, voilà, nous avons, par exemple, pour les 5 prochaines années, 5 priorités. Voilà 5 projets. Et on demande aux pays européens de s'engager. Certains s'engageront plus que d'autres. Là, je pense qu'une majorité par projet
est plus respectueuse de la diversité que si on fait une hiérarchie. Parce que le problème de l'Europe, ce n'est que de la diversité. Il n'y a aucun point commun entre les 28 pays. Donc pour éviter une hiérarchie entre les riches et les pauvres, c'est très difficile. Ou ceux qui sont plus vieux par rapport à ceux qui sont plus neufs. Donc je pense que l'idée politique de marcher par grands projets et de demander aux États de s'engager est une condition. Et la deuxième condition, et ça je reviens là-dessus, les opinions publiques européennes sont totalement sous-informées sur ce que représente l'extraordinaire machine politique. Tout à l'heure, on dit les bureaucrates et les technocrates ont trop de pouvoir. C'est vrai. Mais heureusement qu'ils sont là pour faire l'Europe. Parce que les peuples sont, pour l'instant, donc il faut rééquilibrer les peuples par rapport aux bureaucrates et aux technocrates. Et si vous prenez la Bulgarie, dernier pays, il n'y a pas plus de mobilisation politique en faveur de l'information dans l'opinion publique bulgare qu'il y en a en Espagne, en Italie ou en France. Donc le projet européen a cette caractéristique incroyable de continuer d'avancer sans finalement, et malgré Maastricht, sans qu'on mobilise les peuples. Et mon hypothèse, c'est qu'on ne fait pas de démocratie sans les peuples. Donc il faudra bien rattraper. La deuxième question, puissance mondiale. Oui, l'Europe sera une puissance mondiale. Mais elle est déjà la première puissance économique, financière, technique au monde. Mais les Européens ne le savent pas. Moi, je voyage énormément dans le monde. Tout le monde est fasciné par la puissance de l'Europe. Tout le monde est fasciné par le fait qu'on ait été capable de faire l'euro. C'était soi-disant un échec total, l'euro. C'est ce qu'il y a de plus difficile de faire une monnaie commune. Il y aura des crises, mais ça va élargir. Et pour répondre à la question d'un plan Marshall européen, il y a déjà un plan Marshall dans le monde. Les Européens sont les seuls à donner de l'argent pour le développement économique des pays pauvres. On pourra très bien l'organiser encore mieux. Mais attendez, on ne peut pas aller à 200 à l'heure. On a été à 150 à l'heure pendant 60 ans. Donc il y a des crises, il faut expliquer. Je veux dire par là que on ne peut pas... La difficulté de l'Europe, c'est qu'elle est démocratique. Donc on est obligé, pour les grandes décisions, d'aller par des majorités. Le vrai problème, c'est qu'il faudra des majorités qualifiées. Il faudra admettre, comme dans n'importe quelle démocratie, que sur un vote d'un grand projet, il y aura 60% des pays européens qui auront voté pour et 40% qui auront voté contre. Pour l'instant, on n'ose pas faire ça. On préfère la loi de l'unanimité. C'est très courageux, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Et on arrivera progressivement, mais il faut que les opinions publiques européennes... Si vous voulez, mon hypothèse à moi, c'est que les peuples européens restent encore très favorables à la construction de l'Europe. Parce qu'au-delà des élections, au-delà des médias, au-delà des batailles, il y a une espèce de conscience, et c'est ça qui est formidable pour la démocratie, il y a une espèce de conscience culturelle profonde européenne, même si on n'aime pas les bureaucrates, même si on n'aime pas les technocrates, que c'est quand même une extraordinaire utopie politique. Et les peuples, quand même, ils aiment bien les grandes utopies politiques. Excusez-moi, mais c'est pour ça que je voulais regrouper donc les questions, parce qu'il y avait effectivement quelques sujets principaux qui se dégageaient. Alors, par exemple, le revenu minimum, ensuite les paradis fiscaux, ce sont autant de sujets, de problèmes qui ne peuvent pas être réglés au niveau européen. Les paradis fiscaux, l'Europe est la partie du monde où il y a eu plus de lutte contre les paradis fiscaux. Il reste un peu au Luxembourg et à deux, trois trucs, mais l'Europe est la partie du monde qui a le plus lutté contre les paradis fiscaux. C'est là où les Européens sont complètement masochistes. Ils ne se rendent pas compte. Un revenu minimal européen, pour l'instant, niette. Mais il faut déjà que l'euro... avant de faire un revenu minimum, il faut se mettre déjà d'accord sur un cadre économique. Et la vitesse avec laquelle les Européens ont fait l'euro, nous, ça nous paraît long, 15 ans. Mais c'est rien dans l'histoire du monde. Si vous voulez, là où il y a une folie européenne, à la fois on n'est pas fiers de ce qu'on fait, et en même temps on dit alors, ça va lentement, mais ça va très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, si vous prenez les Balkans, je pose la question, c'est quoi les bonnes relations entre la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce? Vous voyez ce que je veux dire?
Et on est obligé dans l'Europe constamment d'aller. Oui, il y a une monnaie commune. Non, il n'y a pas de salaire commun minimum, c'est sûr. Mais on va progressivement. La tragédie de l'Europe, c'est que ça prend du temps. La force de l'Europe, c'est que ça va quand même très vite. Parce que 60 ans, c'est rien. Mais vous dites que les gens ne se rendent même pas compte à quel point l'Europe est puissante. Et la question, c'est de savoir pourquoi ils n'en sont pas conscients. Parce qu'ils se posent aussi la question donc, du revenu minimum de base, comme la question de savoir pourquoi effectivement les pays tiers ne peuvent pas effectivement participer au marché public européen. Dans 80% des pays de l'Union européenne, il n'y a pas le salaire minimum. Alors quand même, il n'y a pas de salaire minimum ici, il n'y a pas de salaire minimum en Roumanie. Alors avant de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un salaire minimum en Europe, il faudrait déjà que les 80% des 28 pays de l'Europe fassent déjà un salaire minimum. On ne peut pas demander à l'Europe de résoudre des problèmes que les États-nations ne résoutent pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je suis pour l'utopie politique européenne. Mais on ne peut pas demander à l'Europe de faire ce que la Roumanie, l'Italie, l'Espagne ne fait pas. Ouais. Bon, et sur le problème de la... Je veux dire, on ne peut pas demander à une confédération, parce que ce n'est pas une fédération, l'Europe, c'est une confédération, de résoudre des problèmes que les États-nations ne font pas. On peut accélérer les choses. Mais, par exemple, sur la spéculation, l'Europe a fait un énorme travail de nettoyage. Parce que vous avez des États en Europe qui continuent à faire de la spéculation. Les Britanniques, les Irlandais, il faut du temps. Mais pourquoi les peuples ne sont pas fiers ? Je réponds à votre question. C'est parce qu'on ne les informe pas. La culture politique européenne est nulle. Les Bulgares ne savent rien comment ça fonctionne l'Europe, les Français ne savent rien comment ça fonctionne l'Europe, les Anglais, les Allemands, etc. Il y a un niveau de culture politique sur l'Europe qui est totalement insuffisant. Donc il faut remonter le niveau de culture politique. On confond les idéologies. Selon vous, c'est un problème de communication, c'est une question d'interprétation. Est-ce qu'on parle d'information ou on parle de communication? Donc, pour parler justement de la grandeur de l'Union européenne, donc, s'il vous plaît, donnons la possibilité à Georgi Dimitrov et Antoinette Primatarova de s'exprimer. Parce que, en fait, dans cette discussion, effectivement, ce qui se dégage, ce sont deux approches très différentes. Donc, il y a votre démarche à vous, Monsieur Voltan, la manière dont vous parlez des valeurs de cette belle utopie qui porte donc sur la réunification de l'Europe et à quel point cette réunification pourrait être utile. C'est plus modeste, hein. Cohabitation. Et l'autre approche, celle de Mme Primatarova et de M. Dimitrov, c'est de savoir à quel point il est important de bien comprendre la procédure et de voir que l'Union européenne n'a pas été créée comme effectivement la fin d'un compte que l'on attendrait. Mais c'est plutôt un dispositif qui permettrait de régler à l'instant un certain nombre de crises. Et ensuite, c'est important aussi de répondre à la question de Guillaume Robert. Quelle est la relation que vous voyez, madame, monsieur, entre donc l'utopie et le pragmatisme? Et on va s'arrêter là parce que là, on n'a plus de temps. Je ne sais pas dans quelle mesure... des termes qui sont les mêmes dans toutes les langues signifient forcément la même chose. Moi, je pense qu'en bulgare, l'utopie signifie quelque chose d'irréalisable. Et pour moi, l'important, c'est que l'Union européenne est une réalité et non pas une utopie. S'il en était resté au stade de l'utopie, ce ne serait pas une bonne chose. Peut-être qu'en français, l'utopie, c'est autre chose. L'Europe est une utopie qui est devenue une réalité. C'est ça la grandeur de l'Europe. L'idée de rassembler des peuples qui se sont tués pendant des siècles, c'était impossible. Et la grandeur de l'utopie, c'est qu'elle a permis la réalité de l'Europe. Maintenant, c'est une procédure, l'Europe. Mais ça a d'abord été une utopie politique de réunir. Moi, je crois qu'on a oublié l'immense difficulté qui a été la création de l'Europe en 47, 48, 49. Les peuples n'en voulaient pas.
Но това е, ако помним войната. И за това прехвърлям... Les deux sont complémentaires, ça que je veux dire. Les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de procédure, s'il n'y a pas d'abord l'utopie. Така. Но това е, ако помним войната. А войната се забравя в условия на дълъг oui, продължителни. Mais ça, c'est pour ceux qui se souviennent de la guerre. Et la guerre, on l'oublie pendant une longue période de paix. Donc, l'affirmation du professeur Dimitrov, comme quoi donc, l'Union européenne est le fruit de la réunification de l'Allemagne, nous savons très bien que ce n'est pas le cas. L'Union européenne, la communauté européenne a été créée bien avant la réunification allemande. Et puis, la France, par exemple, qui souhaiterait créer donc effectivement une entité beaucoup plus importante dans laquelle se diluerait donc la Grande Allemagne, ça, c'était la grande surprise pour moi de ce débat ce soir. Mais il me semble qu'il y a deux démarches différentes qui se dégagent ce soir. Donc, Monsieur Dimitrov, votre conclusion, voilà, et c'est sur cela que nous allons terminer. Donc, je dirais à notre hôte que manifestement il y a un malentendu, parce que votre question en fait suppose une ironie de ma part concernant justement la possibilité pour un négociateur français de négocier les meilleures conditions possibles pour l'Europe dans le cas de la sortie de la Grande-Bretagne. Au contraire, je considère que c'est très important que ces négociations soient menées par un Français, parce que chacun des autres pays, plus ou moins, aurait un complexe historiquement fondé par rapport à la Grande-Bretagne. Les Français, ils vont donc se mettre à la table de négociation avec la confiance en soi nécessaire, et ils vont s'exprimer en français. Mais comme au cours de la discussion, donc on a souligné le fait que la négociation, le dialogue, c'est très important. Il me semble qu'effectivement, pour ces négociations, c'est très important d'avoir des compétences que les Français possèdent incontestablement. Donc il n'y avait absolument aucune ironie dans ma remarque. Alors, utopie et pragmatisme. Depuis ces 30 dernières années, moi, je ne pense pas à moi en tant que bulgare. Moi, je me sens plutôt européen. Peut-être il y a deux pays européens que je n'ai pas pu visiter. J'ai pu vivre dans nombre de pays européens et je n'ai absolument aucune raison de me considérer comme un non-européen. J'ai fait deux séjours de 6 mois aux États-Unis, ce qui m'a rendu encore plus fier d'être européen, il faut que je le dise. Je ne suis pas la personne indiquée pour défendre le point de vue bulgare. Est-ce que ce serait donc une bonne chose d'avoir comme négociateur un bulgare? Je comprends votre ironie. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Tout de même, il y a des Bulgares de souche qui ont eu un parcours professionnel absolument extraordinaire, y compris dans les sciences sociales. Et le fait d'être bulgare ne les a absolument pas entravés sur leur parcours. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement Donc, ne parlons pas d'utopie, effectivement, parce qu'effectivement, ça, c'est un peu problématique. Mais disons, parlons plutôt d'un discours poétisant qui renvoie donc à la bonté humaine, à toutes ces belles dimensions que nous pouvons observer dans la littérature, par exemple, mais qui ne sont pas toujours productives quand il s'agit de régler des problèmes d'État. Je considère que l'Union européenne a beaucoup de problèmes. Et j'ai essayé à plusieurs reprises ce soir de dire que, selon moi, ce qui représente la primauté du droit est à ce jour. Il n'y a pas de définition juridique donc de cette notion, alors que c'est sur cela que reposerait l'Union européenne. Eh bien, cette valeur, effectivement, elle exige la mise en œuvre de politiques pragmatiques
Donc ce n'est pas une bonne chose pour l'Union européenne de maintenir donc cette distinction entre le discours poétisant et d'autre part donc le discours technocrate très professionnalisant. Ce n'est pas vrai. Les valeurs, effectivement, les valeurs demandent quand même du pragmatisme. Et autre question que je voudrais vous adresser à vous trois, donc Georgi Dimitrov a déjà répondu à cette question. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même? Est-ce que vous vous définissez comme un scientifique bulgare, respectivement français, ou plutôt comme un chercheur européen? Donc, une question à M. Volton et ensuite donc à Mme Primaterva. Est-ce que cela existe, cette notion d'identité européenne? Et est-ce que des personnes qui sont prêtes à se battre pour leur identité européenne, au même titre qu'il existe des personnes qui sont prêtes à se battre pour leur identité ethnique et nationale? Donc, s'il vous plaît, des réponses très brèves. Dagus Pojo. Concernant l'identité, bien sûr que je suis européenne, bien sûr que je suis bulgare, sofiote. Donc, c'est clair que chacun d'entre nous a une identité qui se situe sur différentes couches. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement. Mais effectivement, c'est en allant donc aux États-Unis, en Chine, par exemple, en Inde, il faut peut-être y aller pour voir qu'effectivement ce que c'est l'Europe. Mais quelque chose que nous avons peut-être un petit peu oublié, c'était dans la dernière intervention du professeur Volton, nous ne pouvons pas demander à l'Europe de faire ce que les États-nations ne n'ont pas fait. Et je pense que lors de notre discussion, nous n'avons pas abordé ce en quoi je crois de manière très ferme. Quelle que soit la manière dont nous relatons l'Union européenne, en tant qu'utopie, rêve ou en tant que résultat réel, mais c'est clair que cette utopie ou réalité ne peut pas remplacer les États-nations. Je considère que les États-Unis européens, voilà, en Europe, ne sont inenvisageables même dans 50 ans. Donc, je pense que effectivement, si nous essayons d'aller dans ce sens-là, ce serait assez dangereux. À ce moment-là, l'utopie pourrait être contre-productive. Donc, il y aura toujours de la place pour les États-nations. Et donc, les problèmes sur pas mal de plans, lorsqu'on regarde un peu le mécontentement des citoyens, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas satisfaits de choses qui n'ont pas été faites par l'État-nation. Un peu plus chez nous que dans d'autres pays. Mais heureusement, en Bulgarie, même si l'État-nation a failli sur pas mal de plans, les Bulgares n'ont pas tendance à en attribuer donc la responsabilité à l'Union européenne. Tandis que au sein des États membres plus anciens, il y a donc une confusion. Les gens sont mécontents de ce que l'État-nation n'a pas fait et en fait, ils attribuent la responsabilité de ces défaillances à l'Union européenne. Donc, le rôle des États-nations, le rôle de l'Europe, si on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux, et si on s'exprime comme si tous les problèmes auxquels se heurtent les Européens pourraient être effectivement réglés au niveau européen, ce serait effectivement induire tout le monde en erreur. À ce moment-là, ce serait vraiment une utopie. Je pense qu'il y aura toujours des problèmes. Au même titre qu'il y a des problèmes qui sont réglés au niveau local, au niveau régional, il y aura toujours des problèmes qui sont réglés au niveau national et non pas européen. Alors, quelques mots pour conclure. Donc, est-ce que vous vous définissez comme un chercheur français ou comme un chercheur européen? Et est-ce que il y a des personnes qui sont tout à fait prêtes à se battre pour leur identité européenne comme elles le feraient pour leur identité nationale, ethnique ou religieuse?
Parce qu'effectivement, on a commencé effectivement à parler de la guerre dès le départ. C'est un terme que vous avez mentionné à plusieurs reprises, comme un point de départ pour la paix. Mais moi, je vais répondre à votre... Mes deux collègues ont déjà répondu. Quand on voyage dans le monde, on est européen. Parce que quand on est aux États-Unis, en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique, d'un seul coup, l'éloignement nous rapproche, même si on est très différents, les Européens. Donc, par conséquent, il y a une conscience européenne. Il n'y a pas une identité européenne, mais il y a progressivement quand même un patrimoine, une histoire commune depuis 60 ans, beaucoup de réalisations quand même. Donc ce n'est pas une identité européenne, c'est finalement progressivement un patrimoine, une richesse. Et mon point, c'est que les Européens n'ont pas assez conscience de cette richesse. Et c'est ça qu'il faut faire passer dans les opinions publiques. Première chose. Deuxième chose, il n'y aura jamais une identité européenne supérieure aux identités nationales. Je suis d'accord. La richesse... L'invention politique de l'Europe, ça va être d'inventer un modèle politique qui soit un modèle de cohabitation. Il y aura les États-nations et la construction européenne. Et ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'aucun Européen n'abandonnera ses racines nationales, culturelles, et en même temps, il y aura cette construction de l'Europe. L'Europe, c'est un modèle de cohabitation. C'est-à-dire, si on voulait une analogie, c'est une confédération. C'est pas une fédération. Et on a dit, mais il n'y a d'avenir que dans une fédération. Non ! Parce que pour faire l'Europe, il faut garder les États-nations. Et donc ça, c'est un modèle politique original. Et c'est pour ça que je dis, si on arrive à le faire, alors on peut le faire en Amérique latine, pour les Amériques latines. On peut le faire pour le Maghreb et le Mashrek. Autrement dit, il ne faut jamais demander aux peuples d'abandonner leur langue, leurs identités, leurs histoires. Il faut garder les langues, les identités, les histoires, et construire quelque chose d'autre. Et moi, je me sens d'abord un chercheur français, je suis français, et je suis un fervent défenseur de la construction politique de l'Europe, mais quand on voit le temps qu'il faudrait pour qu'on se comprenne tous les trois, on comprend l'extraordinaire difficulté de communication en Europe. C'est pour ça que j'ai dit que moi qui suis un chercheur, ben oui, moi qui suis obsédé par l'incommunication, c'est-à-dire que les gens ne se comprennent pas, et bien l'Europe est le plus fantastique territoire d'expérience. Mais la supériorité des Européens par rapport à tous les autres peuples dans le monde, c'est que nous, on sait qu'on ne se comprend pas. Comprenez ? On le sait. Et on sait qu'il va falloir parler. Mais en Amérique latine, en Asie, en Chine, en Afrique, on croit qu'on se comprend. Et niette ! C'est pour ça que nous avons une expérience politique, une expertise politique de l'incommunication qui est une chance. Il n'y a pas un Européen qui se comprend avec un autre. Et même on prend trois universitaires, on ne se comprend pas. Mais on sait qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on croit qu'on se comprend. En Afrique, on croit qu'on se comprend. Donc on a... Mais oui, on a une intelligence supérieure de l'incommunication et donc de la capacité à négocier. On est comme un couple. Dans un couple, on ne se comprend pas. On cohabite. C'est déjà pas mal. Un couple hétérosexuel, homosexuel, hein, c'est la même chose. C'est le même problème. Donc, arriver à cohabiter, c'est le degré supérieur de la civilisation. C'est-à-dire, on sait qu'on est différent, on ne se comprend pas, mais on fait des choses ensemble. Putain, c'est pas mal! C'est pour ça que je suis optimiste. Добре, така приключваме. Благодаря ви. Donc, merci à vous tous. Voilà. Et donc, à notre prochaine rencontre.